Kembe, votre émission sur le quotidien de notre société. Kembe, Djembe, c'est votre émission sur le quotidien de notre société. Ce programme aide Church for Common Ground grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers le PNUD en collaboration avec l'UNICEF. Hé, hey, la paix, tu ne me connais pas? Ah, je comprends. Madame Koul n'est pas là. Madame Koul, où est-elle? Ah, elle est en train de se laver, n'est-ce pas? Gaïa qui a quel moi? Ok, je vois. Quand elle finit, la paix, transmets-la à la commission. Dis-la que mon père, M. Camara, a besoin d'elle et que c'est très usant. Tu comprends la paix? Mon maïma n'a M. Camara ma pas gamma. Bon, en voilà voilà, et goma voulait pas belaler. Non, la paix. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi mon papa a besoin de Madame Koul. Ok. C'est pour un entretien par rapport à la situation du pays. En fait, mon père veut s'adresser à tous les gouvernants et à tous les politiciens du pays. Nagabo Owa nous a l'opéré de Kagba Halamayekoma. Elle nous a l'opéré de Kagba Nagba Nagibo. Il m'a demandé de dire que Madame Koul Goma ne l'aille pas. Quoi? Ah non, oui. Tu peux venir. Ah, la paix. Tu peux venir accompagner Madame Koul. Si tu veux, tu peux venir avec elle. De toutes les façons, l'affaire de ce pays est l'affaire de tous les habitants de ce pays. Que tu sois pipède, quadripède ou mille pattes, tous, on a notre mot à dire. Ok, la paix. À tout à l'heure. Mais n'oublie pas de transmettre la commission à Madame Koul. Tu comprends? Galinga Mounama. Quand papa est là? Ah, ben, loco. Oui, papa. Ah, je pense que tu as vu Madame Koul et tu as transmis toutes les positions et toutes les communications. Non, papa. Selon son chien, elle se lavait et j'ai laissé la consigne. Loco. Papa. Tu dis quoi? Ngogile et kamakalunga. Nyanga ngolele ngogile yinga. Attends, loco. Papa. Tu dis Madame Koul, tu ne l'as pas vu. Oui. Donc tu as laissé consigne à qui? À son chien. Quoi? Maman, tu dis. Maman. Non. Tu sais maintenant déchiffrer le langage des chiens? Non, écoute. Mon fils. Papa. Mon fils. Papa. Tu stimules ma diabète. Tigi, à même maintenant, on a rien. Depuis quand et en quelle année, en quel moment de tous les heures, tu as pu apprendre à interpréter ce que dit un chien? Il a honte de me voir tout l'agent de femme à cobarer ou lioya. Mais papa, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir seulement les écouter. Et attends, Madame Camara. Toi, tu as quelle oreille? Tu as quelle oreille? Maman, quand j'ai voulu faire de la politique, j'ai d'abord appris à communiquer avec tous les habitants de ce pays. Non, ça, c'est pas un problème. Quand tu parles avec, il n'y a pas de problème. Qu'ils soient des hommes, des animaux et même les objets. Loco! Papa, en plus, j'ai essayé de comprendre leurs préoccupations et c'est là que s'inspire le projet de société de notre parti. Comment? Tout le monde se retrouve et se reconnaît dedans. Et c'est eux que nous partons défendre à l'Assemblée nationale. Mon Dieu, c'est sérieux, loco. Et puis, Madame Camara, tu as vu, il insiste là-dessus. Loco, dans le corps, me fait là, parce que je ne sais pas quelle est ton carte mémoire et son niveau fait en dodo.
Sors de chez moi, s'il te plaît, et va m'appeler Madame Cool. Mitori Kema Mijejima. Appelle-moi Madame Cool. Allez! Yahoo Nodana, Madame Cool. Dengi ma foule. Espèce de menteur colonel que tu es. Non. C'est qu'il vient. Écoute, non. Écoute, ce qu'il vient de dire, ce n'est pas un colonel. Il est maréchal de menteurs. Voilà, actuellement. Bonjour. Madame Cool. Mais attendez, pourquoi vous êtes étonné comme ça? Non, c'est pas grand chose. C'est incroyable, attendez. Tu sais, on en parlera la prochaine fois. Mais comme il fallait un autre con, un autre con. Asseyez-vous, God. Non, non, maréchal, viens t'asseoir près de moi. Viens, allez, pas d'accord. Arjona, Madame Koul, ma mère, si vous n'avez pas mis bien, mon loco est la gratte. Nawa Marissa. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre pays. Amen. Je tenais à ce que vous soyez là aujourd'hui parce que je voudrais m'adresser à vous. Ko ono mi fa la yotude. Spécifiquement, Madame Koul et loco, vous qui avez des partis politiques et qui avez participé aux dernières élections législatives. Et à travers vous, m'adresser à l'ensemble des politiciens et des gouvernants. Quoi, mon nom me fait autant mieux. Harakadi, ha heuta la ma bebeng et ardoto bebeng. Vous comprenez? On comprend. Les peuples de ce pays-là viennent de prouver son maturité politique en votant pour vous. Oui. Dans la paix et dans la tranquillité le 28 septembre dernier. Jama on holi hakilemu e hore buttu bernde be vota noyo nyande no gaje 30 septembre fe yudo do ka. Yati soko. Eyo. Yati. Merci. En tout cas, nyama tambara masebe e khagli ni la. Ah, bari me bar sugandi la ba boye sakwi. Anu khagli sakwi. Madame Koul, oui. Loco, nous attendons donc de vous un retour. Voilà, voilà. Mouyaba, Moutouliba, Abilim Bakour Ouattana Naïleri. Eyo. Madame Kamara, allez, ma conne fini. Merci. Madame Kamara. Non. Tu as tout dit, Seri Koko. Maman, elle est bien m'installée. Madame Koul. Non. Madame Koul. Ah. Loco. Oui, papa. Maréchal. S'il te plaît, il est donc un moment pour vous, un moment opportun, où chaque fils de ce pays doit se sentir ragaillardi et uni par votre comportement patriotique. Yati. Le comportement patriotique. Yati. Heuti katata jama on, bido kalaje yado indi lady, tawata weltora yugol, non eko huwirton kumpiji din. Utilisez le dialogue. Et usez des voies légaux pour résoudre vos différends. Kala ko woni hakunde mon kotata on famondira jode yewton haldon fotanon ko modjata kon huwendum. Usez dans la paix et pour l'intérêt supérieur de la nation. Ya ti soko et yewtiron no nafira jama wonna na jama on buttu bernde e onon kadi. Tu as un soko. Non. Tu as un soko. Pellette. Si les femmes et les jeunes se sont mobilisés pour voter pour vous dans la paix, c'est parce qu'ils ont cru en vous. Pellette. Et ont pensé que vous pourriez soulager leur souffrance. Souffrance. Nata, Madame Koul. Pellette. Loco. Wama yagunde. Anko kalon. Ka Guinée nous dit mes balles malins. Et bala wosu gandi. Et pour ce grand dire, il y a un sac, il y a un sac. 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 Effectivement. Et pour ne pas trop parler, Faïda, voilà ce que nous avions à vous dire. Que nous avons dit comme un yautaon. Harana yempo dotir ka madan. Ya ti soko. Aha. Amoude ngi manatana de. Pellet kononon ti sese. Akwari, wonna nan falak daki. Ti sese ke zeve. Mhm. Adresse-toi à loco. Ya ti. Pas c'est nana na kisoko. Loco. Oui maman. Loco. Oui maman. Loco. Ah. Eh loco. Voilà. Voilà. Surtout. Surtout. N'oublie pas de transmettre le message là-dedans.
Il n'a qu'un émoudé. À qui? Ah, aux autres bipèdes. Merci. Et quadripèdes. Et même quintripèdes. Mais je ne comprends pas cette histoire de bipède et de quadripède. Non, c'est pourquoi j'étais étonné, tu es étonné. Quand tu es venu. Madame Koul, je t'avais dit il y a un peu longtemps qu'on va parler Nunca. Ah, bah, ce sont les autres militants de Loco. Non, attention. Attention, ne vous moquez pas de moi. Ah, c'est pas toi qui c'est a dit. C'est toi qui as parlé. Madame Koul, Loco, c'est un maréchal. Ton sien, il a parlé avec lui. Ton sien, il parle quelle langue? Mon chien. Madame Koul. Depuis quand lui, il parle? Non, Madame Koul, mais tu es venue. Ton chien ne t'a pas transmis la commission? Si, il a transmis. C'est pourquoi tu es là? Voilà. Kembe, votre émission sur le quotidien de notre société. Kembe, Djembe, c'est votre émission sur le quotidien de notre société. Ce programme aide Chiche Commande Grande grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers le PNUD en collaboration avec l'UNICEF.